Salutations tout le monde. Jamais 203, comme on dit. Vous vous rappelez, dans le premier tutoriel, quand je vous ai dit que j'étais prêt à trouver une méthode plus simple pour faire des engrenages avec une denture inclinée sur un plan? Eh bien, j'ai fini par le faire. Il s'avère que dans les ateliers, je n'avais pas vu que j'en avais un tout en bas qui s'appelait tout simplement gear, engrenage. Et donc, mes engrenages, ils sont là, en voie droite. Alors, nous avons la couronne, avec le renvoi d'angle, et la denture droite. Juste à côté, nous avons donc les engrenages à denture inclinée sur un plan, comme nous avons fait jeudi. Et au milieu, nous avons un petit nouveau qui s'appelle cycloïde gear. Alors, j'ai creusé un peu la question parce que ça me paraissait curieux. Parce que, voyez-vous, si j'invoque un volet de gear, ben, les deux se superposent sans dépasser. Il n'y a pas de différence notable. Et en fait, la principale différence, c'est que le cycloïde gear, donc celui-ci, il peut avoir un profil dedans variable au point que il sert notamment à faire les réducteurs épicycloïdaux, mais pas ceux à train d'engrenage comme vous pouvez trouver dans les mécanismes de bétonnière sur camion, par exemple, mais plutôt comme les réducteurs qui sont parfois associés à des treuils ou des fortes charges axiales comme ça et qui font une réduction de l'ordre de 100 tours pour 1, quelque chose comme ça. Bref, donc j'ai essayé d'en modifier et ça n'a pas été probant, ça n'a pas été satisfaisant. Alors ça sera sûrement corrigé à mesure que le temps filera. Bref, et ici nous avons une classique crémaillère. Donc pareil, je vous rappelle que l'on est dans un modeler paramétrique. Si l'on veut, on peut tenir dedans, par exemple. Voilà. Alors après, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai dit avoir, que j'ai indiqué avoir été sous un style de navigation gesture. Alors il est pratique parce que il permet de mettre en rotation la pièce tout en permettant de la sélectionner dans le champ de conception comme on peut le sélectionner dans l'arborescence. Parce qu'autrefois on était dans un style plutôt comme CAD, et CAD, vous pouvez essayer de cliquer, il ne se passe rien. Vous pouvez tout juste en fait déplacer le cube de navigation, c'est pas fort pratique. Et vous avez tout juste accès à l'arborescence pour sélectionner vos éléments. Bref. On repasse en gesture pour reprendre le contrôle. Alors, il y a aussi une maladresse de ma part que j'aimerais vous expliquer par rapport au premier tutoriel. Vers 10 minutes 35, vous avez dû remarquer que j'ai dû faire une petite manœuvre, une petite manipulation de ce style-là, où j'indiquais une valeur, voilà, 30 degrés, mais j'ai indiqué un élément masqué au lieu de le faire sur l'élément visible, comme ici par exemple. Si j'en mets la même valeur, on voit effectivement mon élément bouger. Alors que là, j'ai fait, tandis qu'il était comme ça, masqué, donc forcément rien n'avait bougé. Alors, sur ce, si ce tutoriel vous plaise, n'hésitez pas à m'en redemander. J'essaierai d'en tenir compte dans la mesure du possible. N'hésitez pas non plus à les montrer à vos enfants, car contrairement à ce qu'indique YouTube, ça leur est pratiquement totalement indiqué. Parce que, en fait, quand je publie la vidéo, si j'ai le malheur de cliquer sur l'option contenu pour enfants, donc YouTube Kids, eh ben les commentaires sont désactivés. Donc, c'est un peu idiot, vous me direz. Mais je peux comprendre que, par exemple, sous le re-upload d'un épisode de Dora l'exploratrice, on n'ait pas envie d'avoir un flot d'injures. C'est tout à fait louable. Donc, voilà. Donc, si vous avez des enfants, des ados qui sont peu dans l'impression 3D ou l'usinage, n'hésitez pas à leur montrer mes tutoriels. Sur ce, moi je vous dis, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment avec moi, un bon visionnage si vous voulez voir ou revoir ceux qui ont déjà été faits, et je vous dis à la prochaine en attendant vos suggestions ou mes découvertes. À bientôt.